Bonjour et bienvenue, on est de retour pour la survie du week-end. Donc on est légèrement en retard, je fais ça juste la veille en fait. J'espère que j'aurai le temps d'éditer tout ça, faire le rendu en 2K et tout. Pourquoi? Parce que il y a eu une mise à jour récemment qui a fixé pas mal de bugs et j'ai eu quelques petits problèmes avec. D'autres personnes ont eu des problèmes avec, on a eu... En fait j'avais un écran noir pendant un petit moment. Et du coup j'ai dû trouver en fait un moyen de corriger ce problème. Mais bon, voilà, c'est rien de très grave, mais voilà, ça m'a pris un peu de temps du coup. J'aurais dû faire ça en avance et j'ai pas pu à cause de ça. Donc, maintenant, on a les aliments qui montrent vraiment leur état. Donc, quand ils sont en mauvais état, on les voit. Honnêtement, c'est triste parce que maintenant, on voit tout dégueulasse. Tous des trucs dégueulasses. J'aimais bien que... Si vous vous rappelez, avant en fait on voyait les choses en très bon état, et après si on les prenait, on les reposait par terre, on les voyait en mauvais état, enfin l'état dans lequel ils étaient. Et du coup là non, donc je suis un peu triste, un peu triste par rapport à ça. Même ça, c'est... Ouais. Donc ouais, bon, ouais. Bref, c'est pas grave. Donc, pour notre survie du week-end, pour ce week-end du coup, ce qu'on va faire c'est que déjà on va prendre de l'eau. Déjà, on va prendre de l'eau. Bon, normalement, je suis bon pour les calories et tout ça. Ouais, c'est pas mal. 40 sur 45. Oui, c'est parce que j'ai beaucoup d'eau en fait sur moi. Normalement, c'est juste parce que j'ai de l'eau. On a ça qui est plein. Même si on n'en a pas vraiment besoin de des masses. On en a 3, 3, 3, 3. On a toujours ça de. En fait, c'est un peu notre. Comment dire? Comment dire, notre sécurité, on a 3 de chaque, donc du coup on peut en boire un de chaque comme on veut. Ah oui, j'ai des massettes, j'en ai peut-être un peu trop. On va en virer. Je sais plus exactement. J'ai fait un rangement, mais j'ai déjà oublié où je rangeais les choses en fait. Ok, très bien. Enfin, on va poser d'autres. Voilà, on en garde 20. On est vachement lourd, hein? Non? Je trouve qu'on est vachement lourd, je sais pas pourquoi. On est trop lourd que. Est-ce qu'on est plus lourd que la normale? Non, hein? Pas vraiment, j'ai un arc. Ah oui, j'ai une vingtaine de flèches par contre. C'est peut-être un peu trop. On va peut-être en déposer 5. Non, je peux pas. C'est trop plein. Là, je peux pas vraiment. Ah, le problème de poids là, des choses, c'est un peu la galère. C'est bien. Ok. On est parti. Donc, on va retourner à Muskeg Morn. Donc, c'était la zone dans laquelle j'avais expliqué. Donc, on va retourner pardon, à Muskeg Morn. On est bon. On a un bon temps. On va repartir donc à Muskeg Morn et on va aller donc à la zone qui est juste après. J'ai complètement oublié le nom déjà. C'est la voie ferrée détruite, je crois bien. Et donc on va se balader là-bas. Est-ce que ça va être super excitant et tout ça? Pas terrible. Ça va pas être très très terrible. Je vais être honnête. Je vais être franc, ça va pas être terrible. Mais au moins on a quelque chose à faire. Parce que voilà. A quand même quelque chose à faire. Vu que tout ce qui est mise à jour et tout ça, c'est en retard. Donc il faut bien un peu passer notre temps dans The Long Dark. Pourquoi pas se balader là-bas. Donc, on est à la recherche de quoi? Il y a un loup devant moi ou quoi? Non, c'est un caillou, je crois. Alors, qu'est-ce qu'on recherche surtout? Alors, pour... La mise à jour qui devrait arriver, comme j'avais dit. Est-ce qu'il fait froid ou pas? Ouais, ça, on va courir un peu. On sera à Muskeg Morn. Enfin, quoi qu'on peut un peu courir ici. Ce qu'il nous faut. J'aurais pu prendre plus de nourriture, j'étais bête. J'ai complètement zappé. Ah, ça fait 3 ou 4 fois d'affilée que je fais ça. Je pars en fait sans nourriture. C'est vraiment très très con de ma part. Enfin bref, c'est pas grave. Donc, ce qu'il nous faut, ça serait. Peut-être du fuel. Bon, après, j'en ai quand même pas mal de réserves maintenant, du fuel. Donc, c'est pas vraiment important d'en trouver plus.
Mais ouais, des choses comme ça, de... Je sais pas trop. Des allumettes peut-être. Plus d'allumettes, ce serait pas mal. Ouais. Ah, j'en sais rien. En fait, c'est un peu de tout et de rien. Hein. Je vais être honnête. On cherche un peu de tout et de rien. Pourquoi? Parce que l'arrivée, bien sûr, du nouveau DLC. Enfin, de la nouvelle partie du DLC. Qui va être, bien sûr, dans une nouvelle région qui est plein de mines. De mines. Donc, on va souvent être en intérieur, je pense. Ce qui est dans un sens bien, parce qu'on va avoir, on va pas vraiment avoir de problème niveau froid. Voilà, il va falloir bien voir quelque chose hein, en intérieur. Hein. Il faut des jumelles nocturnes, des trucs comme ça, quoi. Donc ouais. Donc on va se passer un petit moment dans la voie ferrée détruite. J'espère que ça va bien se passer. De toute façon, il n'y a pas vraiment trop de problèmes là-bas. Alors je sais qu'il y a des, il peut y avoir des ours, il peut y avoir ours, je crois qu'élan peut-être. Je crois qu'il peut y avoir un élan, je suis pas certain. Et bien sûr des loups. Mais après, la zone n'est pas extrêmement difficile. Mais elle est sympathique. Moi, comme j'ai dit, j'aime beaucoup cette zone. Elle est tranquille. J'aime bien les zones tranquilles, pas très très compliquées en fait. Ouais, vous pouvez vous balader sans trop de problèmes. Vous pouvez vous mettre à l'abri assez facilement et tout ça. Donc ouais. J'avoue que j'aurais dû prendre de la nourriture et tout. De toute façon, normalement, on a encore de la viande là-bas, j'imagine. Je me rappelle plus exactement, mais j'imagine. Donc, ouais. Sinon, quoi dire d'autre? On est sur le chemin et qu'on n'a pas grand-chose à voir, que ça on connaît. Travois? Travois? Le travois arrive, hein. Donc on va finalement voir qui avait raison. Est-ce que c'est un objet qu'on traîne? Hein, beaucoup de gens maintenant disent que ça serait impraticable en fait le terrain si on devait traîner un objet. Et je suis d'accord, hein, je suis d'accord. Des gens disent que ça peut être une sorte d'autre sac et tout ça. Il y en a comme moi qui disent que ça va être juste des stats. Ah, vous allez être vraiment déçu hein, si j'ai raison. Oh là là. Ah, mais moi aussi je serais déçu, hein, mais ça me fait rien. Jesus, it's cold. Oh, et ne t'énerve pas, reste cool. Mais ça va être drôle. Ah, il y a un ours à droite. Ça va être assez comique. Qu'est-ce que tu fais là exactement, l'ours? Sérieux? T'es vraiment mal mis en plus quand t'es en direction de des rails. Alors je vais être honnête, on n'a pas vraiment besoin de... De bois comme pour faire des flèches, faire un arc et tout ça. On a beaucoup de réserves. On a beaucoup de réserves. Au pire, il faudrait peut-être faire des fûts de flèches à un moment ou à un autre. Mais bon, à la limite, je le ferai ça de mon côté parce que honnêtement, allez, il nous en... manquerait, allez, on va dire 5, peut-être. Comme ça, on a une petite avance. Mais je crois que j'en ai une trentaine encore de flèches. Enfin, de fûts de flèches. Non, pas de fûts de flèches, pardon. Tête de flèche. Je crois que je dois en avoir une trentaine. C'est pas comme si on avait vraiment des problèmes par rapport à ça. Il y a un ours là-bas aussi.
Donc deux ours côte à côte, c'est marrant. Enfin, côte à côte. Dans le même périmètre. Ah bah on a un beau temps, c'est tranquille, c'est cool. Enfin on a un beau temps mais il fait quand même froid. C'est bête parce que je suis sûr qu'il doit pas faire froid de beaucoup. Ouais 7 degrés c'est quand même beaucoup. Pensez 2 ou 3. On devrait avoir aussi des nouveaux vêtements. Donc on va voir ça. Il y a une chose que j'avais envie d'expliquer aussi. Alors, nous, on a récupéré donc une nouvelle capuche. Non, pas une capuche, une balaclava, là. Cagoule, métacagoule. Métacagoule. Donc, on a eu ça. Et j'étais en train de me demander si ça valait le coup d'essayer de regarder les nouveaux vêtements en fait que nous on peut techniquement pas avoir en intrus. J'étais en train de me demander ça. Parce qu'on va normalement avoir des nouveaux vêtements pour la partie 4. Donc bon, encore une fois, nous on est en intrus donc on va sûrement être déçus. Hein. On va sûrement pas rien pouvoir avoir. Mais ouais. Et je suis assez impatient que ça sorte, hein. Vraiment. Hein. Vraiment impatient parce que... Ah, l'exploration, ça manque hein, dans le jeu. Et honnêtement, j'espère que la nouvelle zone, elle est mieux que la première, que le... L'aéroport, parce que l'aéroport, c'était vraiment pas fun. On devrait avoir aussi une nouvelle histoire, pour ceux qui savent pas. Donc, nouvelle Tales. Tale. Donc, ouais. Préparez vos batteries. Moi, j'ai envie de dire préparez vos batteries. Après, c'est possible que ça soit autre chose. Hein. Mais bon, moi, j'ai... Nous, on a, je crois, 3 batteries de côté. J'en ai une... je crois qui est disponible à la rivière Calme, non au lac Mystère pardon, je crois que j'en ai qu'une seule qui est au lac Mystère que j'ai ramené pour le moment, il y en a encore d'autres à récupérer, je crois que j'en ai j'avais ramené celle-là, j'ai ramené celle-là qu'on avait trouvée la dernière fois si vous avez vu le dernier épisode. On en avait trouvé une dans près de Black Rock. Donc ça c'est bon, c'est ramené. Après on en avait à la crique lugubre, on en avait 2. Et je sais plus exactement si j'en ai ramené une ou pas. Donc au pire si on a besoin de batterie, il y en a là. Donc à la limite je les ramènerai. On fera peut-être un épisode supplémentaire et tout ça pour les ramener. Si on en a besoin, évidemment. Attends. À chaque fois, je me loupe sur le chemin. Oui, voilà. Je sais pas pourquoi j'ai tendance à aller... Je crois que c'est les corbeaux. C'est des saloperies de corbeaux. À chaque fois que je vois les corbeaux, je trace vers les corbeaux en me disant « Tiens, c'est le bon chemin. » En fait, pas du tout. En fait, pas du tout. En parlant de mise à jour... Il y a une chose que les gens ont reporté encore. Alors, j'en avais parlé il y a genre 4 mois, un truc comme ça maintenant, ça date. Hein. C'était l'histoire en fait des vêtements en fait, qui ne séchaient pas. Par exemple, vous êtes en extérieur, vous faites un feu qui est protégé bien sûr par le vent, du vent, pardon. Donc du coup, il se fait pas souffler et vous faites un feu extrêmement fort. Donc, par exemple, vous ressentez 50 degrés. Et ben en fait le fait de se mettre au vent puis après revenir vers le feu, ça vous sèche pas les vêtements.
Il faut les déposer par terre, il faut attendre qu'ils prennent au moins un degré. Enfin, par exemple, l'humidité, par exemple. Il faut qu'ils prennent genre moins 1% d'humidité. Et après, ils vont commencer à sécher. Vous pouvez les remettre sur vous. Donc ça, c'est un bug. Et apparemment, il y serait toujours. Il existerait toujours. Il n'a pas été corrigé. J'ai pas retesté, moi, personnellement, depuis. J'ai vu que les gens en parlaient. Et les gens, même, commencent un peu à s'énerver contre Interland parce que... Ils disent qu'ils ont fixé genre 150 bugs et tout machin. Et les gens se demandent, bon, maintenant, est-ce que c'est une feature, en fait? Est-ce que c'est genre une nouvelle mécanique qu'il faut vraiment absolument mettre les vêtements par terre à côté du feu puis après les reprendre? Ou alors, est-ce que c'est toujours un bug que vous n'avez toujours pas corrigé? Mais bon, pour l'instant, Interland a strictement rien dit. Donc faites attention à ça, évidemment, encore une fois. C'est embêtant parce qu'on perd quand même pas mal de vie là sur le chemin. Mais bon, au moins on le fait en une trotte et on s'arrête pas. Donc voilà, faites attention à ça avec vos vêtements. Si vous voyez qu'ils sont humides ou alors qu'ils commencent à geler, ils vont continuer en fait à être humides et continuer à geler. Si jamais vous les déposez pas par terre et vous les reprenez pas. Donc voilà, ça, c'est vraiment vraiment très embêtant. Il a eu peur. Ah ben on arrive. Aussi, je conseille d'avoir bien sûr le gilet pare-balles parce que si jamais on a le puma, le cougar là, si jamais on a le gros chat. Je pense que le gilet pare-balles peut peut-être nous sauver la vie. Donc moi personnellement, si jamais j'ai confirmation qu'il y a la bestiole, je pense qu'on va aller dans les nouvelles zones avec le gilet pare-balles. Après, ce qui va être embêtant, c'est le poids. Donc on va voir ça. Mais je pense que ça serait pas une bêtise en fait d'aller avec le gilet pare-balles. Ouf. Ok. On a ça. C'est séché ça ou pas? Oui, en intérieur, oui, c'est séché. Ouf, eh ben. Ah, c'était pas... C'est pas top, hein. Alors, je pense qu'on peut peut-être descendre. Enfin, pas descendre, pas vraiment, mais... Aller où je veux aller directement. Je pense qu'on peut y aller maintenant, avant qu'il fasse nuit. On va peut-être dormir une heure. Histoire de... Voilà. Mais je pense qu'on peut y aller. Ouais, je pense qu'on peut y aller. Se passe super loin. De toute façon, on verra ça après. Alors attention. On a 2, 3, 2. Ça fait beaucoup de loups. Elle était belle celle-là.
Il est où? Là, j'en vois un qui est bloqué. Non, il y en avait bien trois en tout. On va essayer de l'autre côté. Attendez, on va passer par là. On va passer par l'intérieur. Ah, elle était belle cette flèche, hein. Je reste silencieux, ça monte et ça descend là. Ok. Ah, va falloir se bouger les fesses, il y a du vent. On a aussi des traces d'élan. Il y a une petite cabane là-bas. Ah, on pourrait y aller, mais le vent souffle en fait. Donc, je sais pas. Faut qu'on passe par le pont. Là-bas. Strictement rien. Oui. Non, mais c'est parce qu'au Canada, des fois, le bois est tellement léger que dès qu'il y a un peu une brise et tout ça, il commence à voler, en fait. Mais ça arrive souvent, vous inquiétez pas. Mais c'est toujours aussi long, je sais pas pourquoi. Ah, c'est volontaire. Après, quand je parle de ces racines là, le petit problème que j'ai en fait avec ce genre de changement, c'est que quand tu changes strictement rien pendant 7 ans, où c'est tout le temps la même vitesse en fait pour tout, pendant des années, et que d'un coup tu changes la vitesse de quelque chose, ça fait pas normal, vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le problème. C'est pour ça que j'aurais toujours du mal à accepter le fait que ça soit aussi lent pour récupérer les racines. Bon, par contre, on va devoir se bouger un peu les fesses. Bon. On verra ça après. Il fait pas très froid, mais là, ça... Moi, j'ai l'impression
Blizzard, genre Blizzard qui arrive. Donc on va se bouger les fesses. Il y a une je vais faire une petite parenthèse parce qu'on parle un peu de Interland et de leur mécanique. Il y a une chose que j'ai vue. Il y a Raphaël. C'est Raphaël, je sais plus quoi son nom. Donc c'est le créateur de The Long Dark et du studio Interland et tout ça. Et il a des propos extrêmement violents. Sur Twitter, je parle. Il a des propos assez violents pour un développeur. Et ça me surprendra toujours, en fait. Genre, le dernier truc que j'ai vu qui était super choquant pour super choquant qu'un développeur, en fait, sorte ça comme ça. Attendez, parce que là, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de bruit, là. Là, c'est le drapeau qui claque. On va ramener le loup, là. On va essayer de le ramener vers la maison. Comme ça, si jamais on le tue, on pourra prendre la viande. Parce qu'il n'y a pas grand-chose aux alentours pour manger. C'est l'autre qui est un peu loin. Ok, très bien. Il avait un propos, c'est parce que il parlait, il réagissait en fait. Bon bah c'est bon, on y est. Donc là c'est super cool, il y a plein de trucs à récupérer. Il réagissait sur des trailers en fait de jeux vidéo qui sont des cinématiques et pas du gameplay. Personnellement j'aime pas non plus en fait quand les gens ou les... Enfin bref, les développeurs annoncent des jeux, maintenant la plupart du temps ils mettent des cinématiques au lieu de montrer du vrai gameplay et tout, donc c'est quasiment impossible de se faire un avis en fait sur le jeu. Et le mec il allait dire quand même que les gens qui font ça devraient mourir d'une mort atroce. À quel moment tu as des propos comme ça en étant toi-même un développeur? À quel moment? Comment c'est possible que tu sortes des trucs comme ça? Donc ouais. Ça m'a fait halluciner quand j'ai vu ça. Après, il avait déjà insulté des gens sur Twitter. Parce que les gens, genre, rouspétaient en disant « Ouais, vous parlez de votre jeu et tout ça, qu'il y a des bugs, et puis vous parlez du fait qu'on peut payer le DLC et tout machin, ça. » Et le mec, Raphaël lui a dit que c'était un as, genre un con, quoi, en gros. Il est assez violent dans ses propos. Moi, ça m'a fait halluciner, quoi. Genre qu'une personne lambda parle comme ça, à la limite. Il y a des cons partout, j'ai envie de te dire, mais... Mais qu'un développeur lui-même parle comme ça. En plus avec un jeu qui a autant de problèmes. c'est assez violent. C'est assez violent. Donc ouais. Des fois je me demande... Non, des fois je me dis que c'est peut-être pour ça que Interland a des problèmes en interne. Genre pour développer les trucs. Parce que s'il faut, le mec c'est un tyran et c'est un connard en fait, tout simplement. Et c'est peut-être pour ça que les gens veulent tout simplement pas travailler ou alors ils quittent. Ils quittent tout simplement. Et puis voilà, après il n'y a plus personne pour travailler. Que je refuse de... d'imaginer que le mec soit pas non plus comme ça en vrai. Pour avoir des propos comme ça sur internet,
Tu dois être au moins la moitié de ce que tu mets sur internet, la plupart du temps. À moins que tu joues complètement un rôle, mais t'es au moins la moitié... T'es la moitié de la personne que tu montres sur internet. Et là, rien que la moitié, c'est déjà trop pour lui. On a une corde. Alors la corde, je pense qu'elle va être utile. Je crois qu'on va devoir se la coltiner, ça c'est un peu chiant. Et je sais plus exactement où. Alors c'est où? Derrière la maison. Donc c'est vraiment pas loin. On va y retourner après. On va ressortir. Oh, couture! Couture! Oh, c'est magnifique! Donc c'est où? Derrière la maison où on est, le chalet là. Ou alors c'est plus loin. Si c'est plus loin, c'est triste. Mais vous voyez, c'est sympa ici. Hein. Il y a plein de bois. Il y a plein de bois, on peut dormir. Il y a plein de tissus aussi. Donc ça c'est cool si vous, si vous voulez faire des réserves de tissus. Il y a plein de tissus. Il y a aussi un sous-sol. On vient d'où? On vient de là. On a trouvé ça, c'est bien. Donc on a ça. Parfait. On va jeter ça. On va mettre ça de côté parce que c'est quand même bien lourd. Ouais. Après c'est un peu bordélique à l'intérieur, donc c'est des fois c'est difficile de retrouver les choses. Ça c'est ce qui m'arrive souvent ici. Grand chose. Ah. On a une recette aussi. Alors, c'est tourte de Breyer House. Tourte qui séduira tous les carnivores à déguster où vous voulez. Tourte de Breyer House. Tourte de Breyer House, c'est... C'est ça. Tourte de Breyer House, niveau 5. Alors, on a état max de la vie en max, endurance moins, fatigue, mal d'enfermement, extrêmement relou à faire. Trois types de viande, c'est bien. Ça doit 2125 de calories. Ouais, c'est très... ouais. C'est beaucoup de calories pour honnêtement pas grand-chose. Je conseille vraiment pas de le faire. Ce que je viens de dire, c'est beaucoup de calories pour pas grand chose. Non, c'est beaucoup de travail pour pas grand chose. Genre l'huile et tout ça, utilisez-la pour autre chose. Ah, il y a un établi. Ça, je m'en rappelais pas qu'il y avait un établi. Ça, c'est cool. Là, vous voyez, là, il y a un établi par exemple. Et je vais vous poser une simple question. Est-ce que vous me direz dans les commentaires si vous trouvez. C'est quoi la différence entre le sous-sol d'ici avec un établi et le sous-sol de l'aéroport? En pleine journée, je parle. C'est quoi la différence? Voilà, vous me direz dans les commentaires. Le sous-sol de l'aéroport, le sous-sol d'ici.
Bon, bah c'est bon. On va sortir une minute, voir si on... si on peut pas... Peut-être la corde. Je crois que c'est la corde à l'arrière, je suis pas sûr. On va voir ça. C'est là. Il faut faire attention parce qu'il y a quand même des loups. Oh, Fire Steel là. Ah oui, tiens, ça c'est un bon truc de prendre un Fire Steel. À la limite, au lieu d'allumettes, alors fais voir le poids, je me rappelle plus vraiment exactement du poids. Fire Steel, c'est 0,10. Ah, par contre, il faudrait calculer combien de fois on peut allumer un feu, en fait. Avec, par exemple, 73%. Je sais pas exactement combien de pourcents. Je crois que c'est 1 ou 2% qui se retire à chaque fois. Donc, ouais, faudrait voir. Ah, vous avez vu que maintenant l'inventaire se met à jour quand on change, quand on clique sur les objets. Est-ce que c'est nouveau ou je l'ai jamais fait vraiment attention? J'ai peut-être jamais fait attention. Parce que j'en avais parlé de l'inventaire qui se mettait pas à jour automatiquement. Du coup. C'est un peu le problème, moi, j'ai un problème avec ce lieu-là. En fait, c'est que... Bon, on a une cuisine et tout, à la limite, avec des meubles et tout, c'est sympa. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment d'endroit pour ranger les choses. Dans le sens où la table, c'est le bordel. Il faudrait en fait casser toutes les tables, les chaises, à la limite. Et mettre tout sur la table. En fait, c'est tellement bordélique que des fois, on va poser des choses. Enfin, en tout cas, c'est pour moi. C'est moi, ça m'arrive souvent. Je vais poser des choses et je vais oublier qu'elles sont posées. Parce que quand on regarde là, on ne distingue rien. Quoi. C'est tellement du bordel partout, de tous les côtés. Du coup, j'ai juste ce problème-là, en fait, moi, avec cet endroit. Après, la maison est grande et tout, c'est cool. Alors. Je pense qu'on va faire des épisodes courts. Pour le moment. Alors, j'ai vu qu'on avait ça. Protection légère neuve. Ouais, on va la déposer aussi. On va faire des épisodes courts. Je crois qu'on va s'arrêter là. On va dormir. On va lire d'abord. On va essayer de lire le livre en entier. Puis après, on va dormir. On va s'arrêter là. Ça. Ça. Et le lendemain, on ira chasser, cuire du loup et tout ça.
parce que sinon on n'a pas de, techniquement on n'a pas de nourriture en fait de côté. On va manger un peu des massettes, parce que des massettes il y en a pas mal je crois de tous les côtés. Donc à la limite, autant se toper en fait, un peu, avec des massettes. Alors, je vais voir le livre. On n'est toujours pas... J'ai une mauvaise mémoire, mais faut peut-être pas exagérer. On n'est pas à fond. Hein. Accommodage, ouais. J'espère qu'on va gagner quand même pas mal de niveaux avec ça. Putain, c'est rien, quoi. C'est vraiment rien, les livres. Hein. C'est bête. Hein. Mais bon, c'est juste un mauvais moment à passer. Puis après, ça, c'est pas... I need to find a place to rest. On est bon. Allez, on va s'arrêter là. Donc c'était un petit épisode, parce que c'est vrai que des fois, la plupart du temps, je fais des épisodes d'une heure, des fois, avoir genre 1h10 et tout ça. Là, on fait des épisodes un peu plus courts. On va plus ouais, on va les faire un peu plus courts pour le moment, parce que... Voilà. Je l'ai décidé. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. Donc, prochain épisode, on continuera notre endroit. On fera un peu le tour. On ira chasser des loups et tout ça. On fera notre réserve de viande un peu. Et après, on commencera un peu à se balader à droite à gauche. Faudra qu'on prenne la corde à un moment. Je sais plus exactement où elle mène, franchement, la corde. Je crois que c'est... Ah, on est d'accord que j'ai jamais... Ouais, non, je sais pas. Parce que on est parti par là, je crois. Nous, on est là, en fait. Et je crois que la corde, en fait, elle fait lien pour revenir, en fait, à l'abri. Je crois que nous, on est genre là, et la corde, elle... En fait, la façon dont on bouge, on a l'impression que la maison, genre, elle est comme ça. Et que la corde, elle fait face de ce côté-là. Mais dans mes souvenirs, c'est faux. Je crois que la corde, en fait, elle fait face à l'abri. Donc en gros on pourrait faire ça. Je crois. Ah, mais bon, on verra ça la prochaine fois. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.